Alors nous sommes en direct de Kiva, donc c'est la ville là, tout à l'est, à l'ouest de l'Ouzbékistan, et a priori c'est une ville un peu médiévale. Donc là je suis avec toutes les délégations, on est à peu près, franchement il y a au moins une dizaine de voitures, il y a deux cars, il y a toutes les équipes. Donc la visite ça sera pour plus tard, là maintenant on va en fait à une conférence. Donc c'est la promotion en gros du tournoi quoi, avec la presse et tout ça. On va voir comment ça se passe. Mais là il y a déjà du monde. Hein. Donc nous avons le dossier d'enregistrement. Et là je suis avec ma traductrice qui parle un français parfait. Vraiment je pense que Victor Hugo peut aller se rhabiller. Donc là en fait on a tous les pays en fait, qui sont réunis. Et donc il y a la presse et là on va passer sur les diapos pour nous expliquer comment ça se passe. Donc là ça va être très officiel, je pense pas pouvoir sortir ma caméra et commencer à faire des petites blagues de cul quoi. Donc là je sors de la conférence de presse, ça a duré une petite heure. Franchement c'était d'une intensité maximum, putain c'était grave. Donc là tout le monde en train de se congratuler, de se gratter dans le dos, de se mettre de la crème dans les cheveux. Putain. Non c'était la totale là, vraiment, je te jure, on a eu toutes les explications culturelles du truc, tous les remerciements, les machins, c'était intense quoi. Keler bir bosiq tavush, ko'ngillarni ko'targuvchi saboni ko'rmoq bo'lsang, bor amu bo'ylarga, borgin do'skinam. Munda. Alors là, on arrive dans la vieille ville de Kivia. Donc avec les délégations et on vient visiter. Donc là, il y a la fanfare déjà qui nous attend. Donc là on arrive dans la vieille ville et là ça commence à être impressionnant. On a des minarets, des tours, je sais pas si c'est pas des mosquées, des temples. Et là c'est des chapeaux en poil de mouton je pense, un truc comme ça. Donc là on est dans la vieille ville de Kivia qui a été construite donc au 14e siècle. Et c'est vraiment là impressionnant. Donc on s'arrête pas mal avec toute la fédération, les délégations pour faire les photos et voir un peu l'artisanat, ils nous présentent tout ça. C'est vraiment sympa. C'est un peu le tour quoi. C'est cool. Donc là je vais vous présenter donc l'emblème de la ville de Kivia. C'est le chameau, le fameux chameau. Ah bah le pauvre là, il est en plein soleil quoi. Ils ont pas trop compris le truc quoi. Et donc là il y a pas mal d'artisanat. Et donc pour l'artisanat c'est plutôt des trucs en bois ou des trucs en peau de bête. Et c'est assez joli. Mais je pense que c'est pour l'hiver, parce que l'hiver est vraiment rude par ici quoi. Et, vu que j'étais là il y a 2 mois, et il faisait vraiment, il caillait quoi. Ouais. C'est la chanson. Alors là, c'est la chanson de Kivia. Oui. Ok, tu nous fais la danse de Kivia. Oui. Allez. C'est pas mal. C'est pas mal. Bien. C'est bien. Ouais. Petit tour à 360. Allez. Okay. C'est parti. Oui. Alors là, on a toute la collection de chapeaux, c'est impressionnant. Je pense qu'il y en a au moins une centaine de forces. Ouais, j'ai déjà essayé la dernière fois à Tashkent. Mais c'est très très chaud. C'est pour l'hiver quoi. Et en Thaïlande, on n'en a pas besoin. Alors là, il y a carrément un truc pas cool qui se passe, ils veulent sacrifier le mouton. Là. Putain, le pauvre. Putain, mais non. Tout le monde est en train de prier derrière pendant que le gars il va sacrifier le mouton.
Alors là, c'est vraiment une scène incroyable qu'on est en train de vivre en live. Impressionnant. Tiens, le pauvre mouton. Alors là, vraiment, c'est grave ce qui vient de se passer. Putain, on vient de vivre un sacrifice d'animal en live là. Et là, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Franchement, je m'attendais pas du tout à vivre ça. Là, ils ont commencé à se mettre en cercle autour du mouton. Ils ont commencé à faire des prières. Et là, ils lui ont coupé la gorge, quoi. Donc, je sais pas si c'est pour un truc religieux ou si c'est juste pour vouloir le bouffer ou quoi. Mais je vais demander donc des informations à l'interprète. Mais en tout cas, je trouve vraiment ça ignoble et vraiment... C'est dégueulasse, quoi. Alors, en gros, ils ont tué le mouton. C'est pour, en gros, remercier le dieu ou les esprits ou je sais pas quoi. Ou c'est une tradition, en fait, locale. En gros, c'est pour remercier les étrangers qui sont venus visiter le pays. Pour remercier que tout se passe bien et pour nous porter bonheur et tout. Mais c'est vraiment... Moi je lui ai dit le mouton, je voulais qu'il vive. Alors maintenant on est dans une scène encore incroyable. Là ils ont installé le tapis de curage dans la vieille ville. Là nous entrons dans la Manquesa, ça s'appelle. C'est très frais comparé à dehors où il fait 40 degrés. C'est très joli. La visite continue, nous passons de pièce en pièce. Je parle pas fort parce que je crois que c'est un truc un peu sacré. Je crois que c'est un tombeau en fait. Il y a tout le monde qui se met à prier. Donc je vous confirme que c'est un tombeau. Comment il s'appelle le gars? Parfois, Mahmoud. Mahmoud. C'est le tombeau de Mahmoud. Donc là, c'est très frais. Tout le monde s'est mis à prier, c'est très impressionnant. Donc là, on rentre dans la troisième pièce du tombeau. Donc là, c'est un... Mohamed Rahman Khan. Khan et de Kiva. Ok. Donc, j'ai pas besoin de répéter le nom, hein. Tout le monde aura compris. Non, c'est impressionnant. Et par contre, le tombeau, il est très, très fin. Alors, il doit faire, franchement, dans les 40-50 cm de large. Et... Donc je sais pas comment ça se passe. Ouais. Non, c'est très frais et c'est très coloré, quoi. C'est assez joli. Donc là maintenant la tradition continue, après les chants dans le tombeau, les gens vont donc faire se laver les mains, je me souviens plus si c'est des incursions ou il y a un mot spécial, si vous savez, dans les commentaires. Donc
se lave la main, se lave les mains, la bouche, le visage. Bah, c'est impressionnant tout ce qu'on vit là. Donc là, on est plongé à fond dans la culture ouzbek, entre les sacrifices, les prières dans le tombeau, les incursions. Et là, maintenant, on sort et donc le curage sur la place. Non, ça s'arrête jamais. Donc là, nous arrivons à la partie culturelle que je préfère, la gamelle. Trop bien. Là, on arrive dans le hall avec toutes les délégations qui mangent. C'est parti. Donc là, on a encore des sortes de petits samosas. Je vais vous goûter ça en live. Fourré à la viande. Super bon. Et aux oignons. Non, c'est délicieux. Donc là, ils viennent de m'amener carrément le plat de samosa, super bon. Là, on a une petite assiette de légumes un peu à la vapeur, c'est super bon. C'est des carottes, de la betterave, avec un peu de la courge, délicieux. Ça, c'est une petite soupe en fait avec de la viande, des sortes de nouilles et quelques légumes. Et c'est vraiment pas mal, c'est la petite souplette quoi. Alors, on vient de m'expliquer un truc de fou. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez juste ici, en fait, tous les bâtiments, donc en bas des bâtiments, il y a du bois. Là, on peut voir partout ici, c'est du bois. En fait, c'est pour lutter contre les tremblements de terre. Et donc, ils mettent du bois en bas, c'est pour bien solidifier les fondations. Mais quand il y a un tremblement de terre, en fait, le bois, il bouge un petit peu. Donc, c'est un peu plus flexible. Et c'est magique. Alors, nous allons vous présenter le plot. C'est le plat traditionnel ouzbek, a priori. Donc, en fait, il y a du riz, quelques poivrons, avec quelques raisins et des bouts de... Je sais pas si c'est du bœuf ou du mouton. Je pense que c'est du mouton, vu le mouton qu'on a vu tout à l'heure se faire déglinguer. Et ça a l'air super bon, je vais vous montrer ça et vous dire. Donc là encore une prière en live. Donc on vient de finir de manger, en gros tout le monde se congratule et se fait une petite prière en gros de bénédiction. Et c'est toujours le même vieux qui parle. Donc à mon avis, lui ça doit être le boss du quartier. C'était encore un grand moment. Et là les petits samosas, c'était vraiment délicieux. J'adore ça. Alors nous venons de vivre un grand moment d'Ouzbékistan. C'était merveilleux. On a tout vu dans cette vieille ville de Kivia. On a vu déjà donc un sacrifice animal, donc avec la prière de tout le monde qui s'est mis autour, c'était vraiment très impressionnant. On a vu les combats dans la rue, c'était vraiment top. Là, tout le monde me regarde pendant que je parle, donc je dois apprendre à lutter contre mon stress et lutter contre ma timidité. Comme vous savez, je suis un grand timide. Donc là, on vient de manger ouzbek avec le plot, avec les samosas. Je suis toujours avec ma merveilleuse interprète qui m'accompagne partout. Et c'est vraiment top. Elle m'aide à comprendre un peu donc, la culture locale et qui m'explique un peu tout. Et c'est vraiment très très agréable d'avoir donc, du staff. Et nous avons vu aussi donc, le... Pas le cimetière, mais le, la... Comment ça s'appelle ? Le temple, là, avec donc, les tombes. Et on a assisté aussi à la prière. Une autre prière aussi après manger. Donc cette prière après manger, c'était pourquoi ? Pour bénir donc, tous les participants du repas ? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Mais je pense que c'était pour ça. Donc là, nous sommes partis pour de nouvelles aventures. Moi, on m'appelle même plus par mon nom, c'est Francia, Francia, davai, davai. Ok, ok. Go, go, go. Go, 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 davai, davai, davai. Non, attends, madame, madame, par favor, par favor. On y est, on y est, on y est. Tout le monde y est, c'est parti, on rentre dans le 4x4. Allez, hop, allez. C'est même plus Alexis, ni Alex, c'est Francia, davai, davai.